nous allons parler de l'entrée des mariés dans la salle de réception. Hello les wedding girls, c'est Elodie, la wedding planner de l'agence d'Idée, à vos côtés pour les conseils et astuces de votre mariage. Et oui, ça y est, c'est fait, vous êtes mariés, votre cocktail s'est bien passé et c'est le moment d'entrer dans la salle de réception. À vous d'être imaginatif et de surprendre vos invités. Vous pouvez demander à votre DJ de passer votre musique préférée. Attention, il faut que cette musique soit festive et pêchue. L'entrée dans la salle doit être quelque chose vraiment de dynamique. Faites attention, si vous choisissez une chanson en anglais, vérifiez bien le sens de la chanson afin que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Pour que votre entrée soit inoubliable, mettez à disposition de vos invités des feux de Bengale qui s'allumeront au moment de votre entrée. Cela vous donnera l'impression de faire une vraie entrée de princesse. Deuxième option, vous pouvez surprendre vos invités avec une vidéo. Je m'explique. Avec votre futur mari, faites une vidéo où l'on vous voit tous les deux en train d'essayer de choisir votre musique d'entrée. Soyez drôle, soyez imaginatif dans cette vidéo. Cette vidéo sera retranscrite aux invités qui seront déjà assis à table. Pendant que les invités sont omnibulés par cette vidéo, passez par l'entrée de derrière et asseyez-vous à votre table d'honneur. Les invités seront extrêmement surpris de voir que vous êtes déjà assis. Effet surprise garanti! Bref, cette entrée doit vous représenter. Comme vous l'avez compris, ce qui compte, c'est que vous soyez à l'aise et que vous vous amusez. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à nous les mettre en commentaire et abonnez-vous à la chaîne! À bientôt! Tu ne me fais pas peur. Non. Si. Tu me fais pas un câble. Ouais.